It does. Oui, hein, il est vraiment le fun. Tu peux voir les passages secrets pas mal mieux que dans l'original, qu'il fallait que tu colles puis que tu actives tout le long du mur. Là, ça te le montre avec un E déjà là pour dire comme hey, tu peux cliquer là. T'as un prompt, ce qui est magnifique. Oui. La seule affaire qui est un peu weird, c'est que ton personnage est comme en high definition, puis le reste est comme un peu en style 3D comme l'original. Mais c'est. Tu t'habitues à la longue, je dirais. C'est moins pire. Maintenant, je trouve que la première fois qu'on est rentré dedans, cette affaire-là. Ouais. Yay! Ok. Ouais, l'original était vraiment le fun. Dinar sits and sings in moonshine. Open the gate to the side of the building. There's a key underneath a large rock. Use the basement window. Ouais. Moi aussi, je l'avais bien joué. Et Doom puis Wolfenstein là, sur DOS, on l'avait joué pas mal quand on était jeune. Mais ça pour moi. C'est qu'il y avait de ce bruit-là ou c'est en haut? Oh. C'était un achievement, le jeu? Ah bah, peut-être. Tu veux que je demande? Ouais. C'est ok. Awesome. Merci. Avec Windows 95? Bloody hell. Where's your shirt, you handsome sod? Pippa, you're agent too. It's Nurse Inga now. Rest your feet for a moment to have some tea in this place. So this is where they transferred you. Yeah. Il y a un gold là-dedans. Six months now. Haven't seen you since the London HQ party. Oh, no. Wesley. Ouais. I tried to save him, Pippa. I know you did, love. I'm sorry. This is not the time for maudlin stories. Listen, I know what you're after, Blasco. The man in my bed over there is one of Helga's Nazi flunkies. Before he took a little nap, I loosened his tongue. The folder you're searching for is located in Helga's room at the Wolfberg Tavern. Now, apparently, she's quite the wine connoisseur. Pose as a waiter, and maybe you can get close to her. But for God's sake, put some bloody clothes on first. There's a shirt in the chest over there. Si je veux pas en mettre, moi. Wow! Le caractère un mug, VTuber Chest. Wow! Wow! Regarde, Rudy voulait vraiment voir le chest de BG. Mais mes guns!
Put me through the gun. C'est ma madame, pardon. These hinges are rusted. Come help me with this, Blasco. The tunnel is a 9.4 meters swing to the well in the cavern's backyard. Return to me once you've obtained Helga's holder. And don't you fucking drown on me now, you adorable tosspot. Tosspot. Hope them hinges don't rust when I get back. Ça, puis le un des vieux princes aussi de ces années-là, là, c'était comme Doom, Wolfenstein, puis c'était Prince Hill, c'était comme des jeux qu'on jouait tellement quand on était jeune. Là. Là, t'avais pas beaucoup de jeux non plus, hein, dans le temps. Puis on n'était pas. On n'avait pas beaucoup d'argent non plus. Puis, Les games étaient encore plus. Chérie? Ouais. Genre, sinon, l'autre qu'on jouait, c'était la vieille Atari de notre père, genre, tu sais. Fait que là, c'était comme avec la grenouille qu'il faut qu'il traverse la rivière, puis il doit faire le même, genre, les jeux. Hein. Puis Pac-Man, puis des trucs comme ça. Man! Just before the entrance of the cavern. Tavern, pas cavern. The Danny Gold. La prochaine lettre est dans la chambre de Helga. Cousin Wilma on the dive bar in Mesquite. Earned my first dollar there. Spent it all on rock candy. Sweet, sweet candy. Ich weiß, die Ausgrabungen sind sehr gut gelaufen. Helga treibt uns zwar ziemlich an, aber sie ist sehr effizient. Und sie ist sich nicht so schade, die Ärmel hochzukrempeln und mit anzupacken. Ich kann das Ende kaum erwarten. Was? Willst du nicht wissen, was dort unten los ist? Ich meine den Krieg. Wir wissen, dass wir ihn gewinnen. Ich frage mich, warum sie ihn nicht endlich beenden. Damit ich zurück kann zu Christine. Ich weiß. Da zieht sich etwas. Bitte. Sind klar unterlegen. Das ergibt keinen Sinn. Ja, aber hast du von dem Kerl gehört, der aus Burg Wolfenstein ausgebrochen ist? Ein Amerikaner. Der muss was drauf haben. Amerikaner? Deutschem Stahl ist er nicht gewachsen. Oh, ich wette, dass er gerade hier irgendwo lauert. No. Hab ein Lurky. Je suis en train de vous écouter, même. On n'est pas en train de lurker. On est vraiment juste direct en face d'eux autres. Pas... C'est vrai.
Sturmbannführer von Schaps ist hier. Sie hat sich die Kinder geschnappt und ist abgehauen. Trinken macht's auch nicht besser. Du solltest nach Hause gehen und schlafen. Du bist doch nächste Woche zurück, oder? Dann solltest du mit ihr reden, klar? Ich schaff das schon. Wie sonst auch. Komm schon, Kumpel. Lass das mit dem Kumpel. Dieses Mal war das anders. Sie sagte, sie will nicht, dass ich Soldat bin. Dass sie mit dem ganzen Töten aufhören soll. Das Problem ist nur, dass es das Einzige ist, was ich wirklich gut kann. Weißt du, Kumpel? Was zum Teufel soll ich sonst werden? Bauen? Schreiben? Töpfer vielleicht? Klär ja einfach, dass es eine Ehre ist, Soldat zu sein. Doch bist du kein anderer Mensch, im Gegenteil. Du beschützt deine Familie vor den ganzen Schwächlingen und Kommunisten da draußen. Ja, aber für wie lange? Wie lange kann ich sie beschützen, Rolf? Was ist mit den Kindern? Den Kindern meiner Kinder? Wenn ich tot unter der Erde liege, wie kann ich für ihre Sicherheit garantieren? Das geht nicht, oder? Und eines Tages, Rolf, wird jemandem aus meiner Familie etwas Schlimmes zustoßen. Eine Tragödie. Eine Tragödie. Und wenn es meine Kinder nicht trifft, dann die Kinder meiner Kinder. Oder eben deren Kinder. Immer weiter, bis in alle Ewigkeit. Mach's ja nicht, dass die Kronen nicht speisen. Und die menschliche Rasse gestorben ist. Bedeutet. Die Natur ist anders. Sie schert sich ein Dreck um das Schicksal der Einzelnen. Und das macht mich verdammt fertig. Du so mit deiner Frau. Aber ich sag mal, Herr Freak, der Bauer. Vielleicht hat sie dich deshalb verletzt. Wow. Upsi. Anna, bitte! Genug jetzt von diesem Quatsch, Helga! Also. Will Ergebnisse sehen. Und bisher ist er mit ihren Fortschritten nicht zufrieden. Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlapp. Bin es Herr Dwarf? Bonsoir, Spaneo. Salut, Spaneo. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, merci. Oui, ça va bien, merci. Contente que ça va bien toi aussi. Mm-hmm. Was ich für General Strasse in Erfahrung gebracht habe, sollte er mir die Stiefel küssen. Hier ist Ihr Wein, Helga. Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal. Jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. General Strasse will Ergebnisse sehen. Ich bringe Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie. Fuck. Setzen Sie sich. Okay. Wie heißen Sie? Franz. Franz? Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge.
Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Ja, alles. Trinken Sie. Ja, fait, c'est quelque chose, si je me trinken Sie aus, Franz. Probablement de Châté. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und der Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Because, my dear incompetent Schreiner, he's not a waiter. He's a spy. Did you really think I would be impressed by your atrocious German? Now give me the folder, Franz. Oh. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Wir haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen... C'est pas moi qui tirais, là, pourtant, là. Puis il a pas réussi à viser de même, là. Alcool. J'aurais peut-être plus dû les laisser parler pendant ça, parce que c'est vraiment en interaction. Mais... Je sais pas si je pouvais, vraiment. Ou s'il m'aurait jeté. Il t'aurait probablement jeté. En fait, à moins que le earthquake arrive normalement. Kessler, can you hear me? Helga's gone. Took the folder with her. I'm coming back to the boathouse now. Ok, avec une lettre. Et il est très rigolo encore. Do you copy? Prochaine lettre. La seule lettre est sur le boat. Merci. Mm-hmm.
C'est passé où? Peut-être celle qui est en bois. Ah, ok, le mur ici. Ah, le mur, ok, j'ai rien dit. Un peu quand même ici. Tu fais un peu peur, là. What? Ok. Awesome. Le prochain, c'est quand tu vas rencontrer deux autres personnes. En guillemets, personne. Je peux-tu faire exploser ta tête, non? T'es déjà mort, ça marche pas. Je me dis, je vais en profiter pour essayer de faire mon perk. Hi! Le Piped Explosion. Ah, au moins, cette partie-là va servir pour ce peuple-là. Ouais. Après avoir rencontré deux autres zombies. In the area to the left of the next two zombies. Mm-hmm. J'avais dit. Nice. Bien. Ouais. Bon, je le disais, je te vois le poignet. Quand tu vas re-rencontrer Pepper, ça va être en dessous d'un lit. It's been a while. You can do it. Ça semble d'être super slow pis t'es, tu me punches dans le même d'un coup. C'est des rôles de faire des affaires. Fais penser aux zombies qu'on a vu hier. Kessler, come in. You read? J'en disais combien? 7. C'était-tu le... le drunk? Fucking gadgets. Le tien l'a tué? Ah, peut-être. J'ai pas remarqué s'il y avait une... il y a un genre de bouteille à travers la tête. C'est triste, c'est que... ouais. Il était comique.
Non, laisse-moi le tuer, faut que je fasse exploser la tête. Derrière toi! Ça, c'était vraiment pas voulu. Wow. You deserved a better fate than this, Pippa. Vous êtes pas censé utiliser des guns encore. Il fasse exploser la tête! Les nurses de Silent Hill, ouais. Ben, il me tirait, je pouvais pas, lui. Détail. Mais pas le gros long du lit. Ok, si je me souviens plus, c'était où? Puis je t'en remercie de chercher. Peut-être pas celui-là de bord. Un autre. Ok. Ok, j'avais l'impression qu'il était derrière nous. Je suis rendu à combien, là? 9, mais juste un train. Wouhou! Ça avance bien. Awesome. Health loss from melee attack. Nice! Je sais pas si tu pourrais essayer de ramasser 3 zombies puis les tuer avec une grenade. Je pourrais peut-être essayer de faire ça, hein. Ok, fait qu'il me reste juste avec le lance-roquette, les grenades, puis les machine guns. Wouhou! Quand même! C'était... Speed up reloading very quickly. Ah ouais, ok! Je n'ai pas de grenade. Oh. J'étais comme, hey, je vais en profiter, il y en a 3 là. Essaye de lancer la grenade, marche pas. Good game. Quand même. Mais pas qu'il faut que tu fasses des kills avec le lance-roquette. C'est vrai. Ah, oh, il y avait des grenades juste là en plus. Oups.
Elle va plus passer au travers, anyway. Non. On a un nombre d'amour limité. Dodge pas. Wow, fuck you. Can die happy now. Oui. Belt, gold. Other side of the river area. Il y a juste une balle, je vais attendre qu'il y en ait plusieurs ensemble, je pense. Je sais pas si ça compte quand il y en a plusieurs, mais... J'espérais. Je suis rendue à 42 sur 50, c'est quand même pas cool. Listen, Helga's gone. Took the folder with her. She's digging up something beneath the church ruins. Mais je pense qu'on va arrêter là, même si on est un petit peu plus tôt, vu qu'on vient d'avoir un checkpoint, puis j'ai vraiment envie. Ah, ok. Puis on essaiera de commencer un peu plus tôt en échange. Ah, ok.